Salut le monde des 12, c'est Taré. Et comme vous avez vu au titre, oui, j'ai joué à Dofus pour cette vidéo. Moult, ceux qui me suivent sur Twitter le savent déjà, et entre parenthèses, n'hésitez pas à vous abonner à mon Twitter, je poste de temps en temps des nouvelles de mon travail. J'ai fait un petit thread afin d'expliquer mon besoin de faire une petite pause de quelques semaines sur le jeu. Et aussi, l'arrivée des nouveaux serveurs monocomptes sur la version rétro de Dofus m'ont redonné envie de voir ce que le jeu en 2.0 avait dans le ventre après ses 16 ans d'activité déjà, c'est pas mal. Mais avant que vous criez au scandale comme quoi j'ai osé trahir la communauté Wakfu, je vous tiens à préciser que Wakfu est dans la même diégèse que Dofus mais dans le futur, que du coup c'est par la même société de production, à savoir Ankama à Roubaix, et de plus, Wakfu n'est pas une secte, il serait de mauvais ton de me taxer d'hérésie alors calmez-vous car sérieusement vous me faites peur! Mais je vous comprends un peu dans votre fanatisme, après tout beaucoup de gens font des comparaisons et des confusions entre Dofus et Wakfu car ils ne connaissent que ces jeux de très loin. A tel point que la phrase « Ouah, la série Wakfu c'est trop le feu, ça donne trop envie de jouer à Dofus quoi !» est classée deuxième dans le classement des phrases qui montraient tellement haut l'attention de Zaki qui en ferait un infarctus à seulement 30 piges. Cette vidéo va donc être une sorte de review du jeu Dofus 2.0 du point de vue d'une grosse joueuse de Wakfu. Et accessoirement une petite comparaison entre Dofus et sa petite sœur Wakfu via plusieurs points qui serviraient de comparaison. Question que vous sachiez enfin les véritables différences entre les deux. Par contre attention, bien que le lore du temps du Dofus m'est ultra familier et ultra apprécié via les multiples œuvres transmédia telles que le manga ou la série Au Trésor de Kirubim par exemple, étant donné que ces dernières semaines étaient les premières fois de ma vie que je jouais vraiment à Dofus, attendez-vous à ce que je sois parfois plus nostalgique de Wafu que Dofus. Parce que bon, après tout, certains de mes avis sont potentiellement subjectifs. Bien, trêve de mondanité, et si on passait au vif du sujet? Au lancement du jeu, j'ai quand même demandé à des amis qui ont joué à ce jeu pendant leur période prépubère à voler le téléphone à papa et à maman pour de l'abonnement en jeu sur quel serveur je devais aller. Après tout, il y en a des tas. Sans déconner, il y en a tellement. Entre le serveur héroïque, les monocomptes, les multicomptes, les PVP et autres que je ne savais pas trop où donner des yeux de la tête. J'ai donc décidé de prendre le serveur Pandore au plouf plouf car en vrai le serveur s'est un peu hypé en fait, était grave complet donc bon bah tant pis. Et à votre avis, quel clash j'ai pris? Akra ou un Yop? Comme à peu près la moitié des joueurs sur ce jeu car c'est ultra simple à monter et à utiliser quand on commence le jeu en monocompte. Non, évidemment, l'amour du dieu Sram est bien plus forte et puis vous inquiétez pas, je suis une professionnelle de la classe en toutes circonstances. Bon. Le personnage ainsi créé, c'est le moment de rentrer dans le feu d'action avec ton incarnation à Incarnam et il faut se dire, le didacticiel est incroyablement rapide et efficace. On t'apprend à taper et à récolter des matériaux pour le métier de craft et pouf, on te jette dehors, même pas 5 minutes. C'est autre chose qu'une série de quêtes de 20 minutes qui vont t'apprendre à faire la même chose sur Wakfu. Un bon point pour Dofus, il faut l'avouer. Après ce didacticiel fini, tu te démerdes sur Incarnam et tu fais tes quêtes qui te servent de premier moyen de faire de l'XP, ainsi qu'en apprendre un peu plus sur l'ordre du jeu et le but de ton aventure. Et à votre avis, c'est quoi le but de votre aventure? Devenir riche, influent et casser des bouches comme personne, comme dans tout MMO qui se respecte? Oui, oui, bien entendu, mais Dofus, c'est surtout la quête pour retrouver les 6 œufs de dragon, au pouvoir énorme qui donne le nom au jeu. Peut-être pas si rare que ça, vu que certaines personnes s'en font un business de Dofus en doublon, mais bon, pour le bien du lore, on fait genre qu'on n'avait rien vu. Et pour se les procurer, c'est Dofus. Sans passer par l'achat de Dofus à la place marchande d'Amakna, je vous le rappelle, vous allez devoir vous retrousser les manches et réaliser un certain nombre de quêtes relatifs à ces précieux œufs magiques. Et les premiers que vous serez susceptible de vouloir convoiter, c'est le fameux Dofus argenté, en réalisant une très longue série de quêtes à Astrub, la première cité auquel vous arriverez après votre petite escapade sur Incarnam. Et c'est justement avec cette gigantesque série de quêtes pour le dit Dofus que vous allez sûrement vous rendre compte d'un petit défaut, qui est une qualité pour certains, mais c'est une question de point de vue. Le nombre incalculable de quêtes de remplissage où vous allez faire littéralement le livreur Uber mais sans leur fameux vélo, ce qui rend la tâche légèrement plus relou. Le problème étant que les quêtes qui sont susceptibles d'apporter un peu de connaissance du lore et un peu d'action sont noyées dans un florilège de quêtes. Vous allez faire le coursier et à faire des allers-retours incessants et parcourir des kilomètres
pour tel ou tel PNJ que vous allez inévitablement oublier dans 5 minutes après avoir fini la quête. Je comprends la nécessité de faire des quêtes pour ceux qui décident d'XP sans forcément passer par le farm des monstres, mais je comprends pas pourquoi les rendre obligatoires à l'obtention de certains Dofus, notamment aux 60 premiers niveaux que l'on passe sur le jeu. Le risque, c'est que les nouveaux joueurs se lassent de faire autant de quêtes FedEx et lâchent l'affaire. Ça a d'ailleurs failli m'arriver, mais je l'ai quand même fait. Après tout, quelqu'un pointait un flingue sur ma tempe pour me forcer à jouer pour avoir ce fameux Dofus argenté. Surtout que pour en rajouter une couche, on ne te dit pas quel PNJ déclenche les dites quêtes, et il faut les trouver totalement en pif en se baladant à droite et à gauche. Ou chercher sur Dofus pour les noobs, ce qui au niveau du titre du site me fait un peu culpabiliser quand même. Clairement par rapport à Wakfu, c'est plutôt un mauvais point pour Dofus. Dans Wakfu, les quêtes, il y en a certes un peu moins, mais se déclenchent lorsque vous passez le cap de niveau nécessaire à la réalisation de celle-ci. Ainsi, vous n'êtes pas perdu à vous demander que faire à votre niveau, Eclipse propose quelque chose de beaucoup plus scénarisé. Ce qui vous fait plus sentir comme un aventurier plutôt qu'un livreur UPS selon moi. Il est vrai que je n'ai pas encore parlé alors qu'il s'agit d'un point quasiment crucial dans un MMORPG, le système de combat. C'est justement sur ce point que Dofus a su s'imposer comme particulier lors de l'âge d'or des MMO popularisés par World of Warcraft. En effet, là où beaucoup de MMO se sont tournés sur des combats quasiment en temps réel, Ankama a décidé de se tourner vers un système de combat au tour par tour à la manière d'un tactical RPG pour son jeu Dofus. Et par extension Wakfu qui a repris cette idée de base. Là où dans un tactical RPG de base à la Fire Emblem ou Advance War, vous contrôlez une unité entière, ici vous ne contrôlez qu'un seul perso. Dans les conditions initiales de base du jeu, on va pas parler tout de suite du multicompte. Personnage que vous déplacez sur la carte du combat grâce à des points de mouvement, et en utilisant des sorts qui utilisent les cases adjacentes comme portée des sorts et consommant des points d'action. Autrement dit, dans ce genre de MMORPG, il ne sera pas question de préparer des combos en prenant en compte les cooldowns de chaque sort, mais de créer des combos en fonction de synergie de chaque sort en étant limité dans la majeure partie des cas aux points d'action que vous ne possédez par tour. Ce qui donne des combats beaucoup plus stratégiques. Un mode de jeu que je pensais connaître et qui ne m'était pas exotique vu mon expérience de jeu sur Wakfu, et pourtant les deux jeux ont pris cette idée de base mais l'ont orienté chacun à leur manière. Et c'est là qui fait l'une des plus grandes différences notables entre les deux jeux, et c'est aussi là que beaucoup de personnes voyant les deux jeux de loin ne voient pas la différence entre les deux alors qu'il y en a des tas des différences. En effet, du côté de Wakfu, en ce qui concerne le placement et la carte, il y a une petite différence avec sa grande sœur Dofus. D'une part, par les maps de combat. Du côté de Wakfu, la taille de la map de combat dépend du nombre d'entités dans le combat ainsi que l'endroit où vous lancez le combat. Là où dans Dofus, la map de combat prendra toute la taille de l'écran auquel vous vous situez. La raison de cette différence vient du fait que là où vous vous déplacez de manière discontinue sur Wakfu, votre personnage toujours au centre de l'écran, sur Dofus, vous vous déplacez dans un monde d'écran en écran. Ce qui fait que dans la plupart des cas, des maps de combat de Wakfu sont bien plus petites que Dofus. Et sur Dofus, ça va être souvent pour effet de ne pas avoir le choix de passer votre tour à simplement vous déplacer sur le terrain pour vous rapprocher des ennemis si vous jouez malheureusement une classe mêlée. D'autre part, Wakfu a intégré par rapport à Dofus un multiplicateur de dégâts ainsi que des statistiques prenant en compte la manière dont la cible des sorts est orientée par rapport au lanceur. Cela qui a pour effet dans Wakfu que vous feriez bien plus mal à un ennemi que vous touchez à son flanc ou à son dos que si vous le tapiez de face. Ce qui aura pour conséquence de pousser bien plus le côté stratégique pour bien réfléchir à votre positionnement dans le combat par rapport à Dofus qui est dépourvu de ce détail. Mais ce qui rend aussi Dofus un poil plus nerveux de ce côté puisque vous n'aurez pas à réfléchir à cette mécanique. Mais il n'y a pas que dans les détails du combat tactique en lui-même que Dofus et Wakfu se différencient. Il y a aussi tout ce qui va graviter autour, à passer par les statistiques, les sorts et la manière d'améliorer votre puissance de combat. Au niveau des sorts, côté Dofus, vous débloquez un nouveau sort tous les 5 niveaux et améliorer les sorts que vous possédez déjà à chaque niveau à partir du niveau 60. Mais ce n'est pas tout, à partir d'un certain niveau, votre personnage, aux alentours du niveau 100 pour être précis, vous débloquez de nouveaux sorts qui sont en réalité des sorts alternatifs aux sorts que vous avez débloqués pendant la centaine de niveaux que vous avez passé sur le jeu. Qui vous oblige, si vous voulez les utiliser, à vous priver d'un sort débloqué avant.
Les choix de sorts que vous allez utiliser dépendent énormément de votre niveau, de ce que vous allez débloquer en sorts, quel sort alternatif est plus intéressant à utiliser, et de pas grand chose d'autre puisque vous n'êtes pas limité en nombre de sorts plaçables dans votre barre de raccourci. Ce qui, selon moi, rétrécit un peu l'éventail de possibilités de jouer à bas niveau et rend le personnage assez malléable et personnalisable en termes de gameplay qu'à partir d'un niveau assez significatif. Là où sur Wakfu, je trouve que la restriction des actions faisables en combat est bien plus malléable et permettant assez tôt de faire du bi-élément puisque tous les sorts sont débloqués autour du niveau 30. Et ce qui va limiter légèrement les actions à bas niveau sont les passifs qui servent à orienter la manière de jouer sur Wakfu. Et ce qui remue un peu le couteau dans la plaie, c'est aussi au niveau de l'amélioration des statistiques via les points de compétences. A chaque niveau, vous obtenez 5 points de compétences à distribuer sur les compétences que vous désirez parmi 6 choix différents. Vitalité, agilité, chance, force, intelligence et sagesse. Et le petit hic, c'est que ces statistiques sont en réalité des statistiques qui englobent d'autres. Par exemple, l'agilité augmente les dégâts air et le tacle et la fuite. La force, les dégâts terre et neutre. Et l'intelligence augmente les dégâts feu et les soins par exemple. Du coup, à bas niveau, vous ne pourrez pas faire de bi-éléments. Et plus généralement, même à haut niveau, le multi-élément semble être ultra rare et parfois pas optimisé. Du coup, est-ce que je peux faire des réseaux de pièges avec mes pièges air et feu? Eh bien non, car justement, les dégâts que je ferais seraient pas assez élevés et du coup, par la force des choses, Et ce n'est qu'à partir du niveau assez élevé que l'on peut régler ce problème via les pièces d'équipement. Du coup, de ce côté, c'est mieux Dofus ou Wakfu? Eh bien, je dirais ni l'un ni l'autre. Ils ont chacun leur qualité comme leur défaut. L'un est plus rapide, l'autre est plus lent mais un peu plus complexe dans sa mécanique. À ce niveau-là, c'est selon les goûts de chacun en fait. Être un as du combat, c'est bien, mais il faudra aussi penser à s'équiper. Et par conséquent, commencer à crafter ses équipements pour son usage personnel, ou même tout simplement pour le nerf de la guerre, l'argent. Sur Dofus, l'artisanat se déroule en 3 catégories. Les métiers de récolte, les métiers de craft et un troisième qui, comme la profession de youtubeur, n'est pas considéré comme un métier sur Wakfu. Dans le cadre des métiers de récolte, c'est du classique. C'est simplement des métiers qui vous permettent de récolter des ressources telles que du blé, de la farine, des minerais, de la bonne tout type de composants d'herboristerie, du bois, etc. Et l'écologie alors? Eh bien sur Dofus, on s'en branle, vous pouvez déforester toute une région et récolter tout le blé possible, tout finit miraculeusement par repousser comme par magie et il n'est pas nécessaire de replanter derrière. Un fait miraculeux qui donnerait la trique à n'importe quel ministre de l'écologie, de l'agriculture ou de l'économie. Mais bon, du coup vous risquez de souffrir donc d'une certaine forme de concurrence pour récolter ces ressources puisque du coup comme vous ne pouvez pas replanter, oubliez tout de suite de faire votre petit potager bio dans votre havesac. Mais bon c'est bien joujou tout ça, mais récolter du blé, miner du sel c'est bien pour faire du pain mais pas pour s'habiller et avoir une armure trop badass sur soi. Ce sont généralement les métiers de craft qui vont vous permettre de commencer à créer vos équipements et aussi à créer des clés pour les donjons car oui. Les donjons ont toujours besoin de clés pour y accéder sur Dofus. Et ce qui est bien n'empêche avec la version dofusienne des métiers de craft, c'est que ces types de métiers ne sont pas très dépendants des métiers de récolte. Dans Dofus, pas forcément besoin de bois pour créer des manches qui serviront à la création de vos armes, ni de fil pour tailler vos chapeaux. Ça allège un peu la méthode de craft et ça permet presque de pouvoir monter vos métiers en même temps que votre niveau réel, en utilisant le drop du tout venant récolté pendant votre session de PEX, sans trop dépenser de Kama en raffinement supplémentaire. Mais bon, comme le système de statistiques donné sur les équipements sur Dofus ne sont pas fixes mais fluctuent à leur création selon un intervalle de statistiques propre, il y a très peu de chances que vous puissiez tout de suite porter votre équipement tout de suite. Sauf si vous avez de la chance, eux que vous vous en foutez de sortir tout débraillé à l'extérieur de la cité. Et c'est là qu'entre en scène ce fameux troisième type de métier qui est un véritable casse-tête si on ne sait pas sérieusement plonger en détail, ce sont les métiers de forge magie. Ah là là, la forge magie. La première fois que j'ai voulu essayer sans connaître quoi que ce soit son fonctionnement, mon cerveau, je vous jure qu'il a ramé du cul comme un modem 56K qui téléchargeait illégalement une version porno d'Harry Potter et la chambre des secrets pendant 7 jours mais qui a fini par planter au milieu d'un download parce que maman décroche du téléphone. En fait, en principe,
Les métiers de forge magie sont des métiers rattachés à des types d'équipements et permettant d'améliorer les statistiques des équipements ou de créer de nouvelles qui n'étaient pas présentes de base sur ce type d'équipement via des runes qui s'obtiennent en cassant d'autres objets. Donc sur le papier, on se dit que c'est cool, que ça permet d'avoir son équipement personnalisé, mais dans les faits, la forge magie, c'est affligeant de complexité puisqu'il s'agit en réalité de jouer sur la chance. Il s'agit clairement d'un jeu de probabilité que vous allez influer avec le calcul de certaines runes, de reliquats, avec la possibilité d'échouer ou de perdre des statistiques. En gros, si vous allez les mains dans les poches sans calculatrice, vous risquez de littéralement faire pire que mieux et vous retrouver avec des équipements qui ne donnent plus rien. Qu'un métier soit aussi compliqué à prendre en main pour favoriser les artisans plus compétents, ce n'est pas un souci. Mais que rien dans le jeu n'explique clairement son fonctionnement, ça c'est un petit peu plus problématique quand même, hein. J'ai genre dû regarder 3 vidéos de 20 minutes sur YouTube pour y voir un peu plus clair. L'enchantement à côté sur Wakfu, c'est certes plus aléatoire, mais au moins vous risquez pas de perdre en nombre de bonus disponibles et ne nécessite pas de monter un métier pour l'utiliser. Donc voilà, je suis assez mitigé sur le métier de forge magie. D'un côté, je me dis ok, c'est cool, c'est un métier où il faut clairement pas être en pilotage automatique pour performer. Mais d'un autre côté, je trouve que clairement, c'est bien trop compliqué à prendre en main pour le néophyte que je suis. Bien, maintenant que vous êtes immensément riche, que vous avez un équipement surpuissant et que vous avez pété la rondelle de citron à tous les boss de donjon à des kamakilomètres à la ronde, qu'est-ce qui pourrait montrer aux autres pégus d'Astrub que vous êtes réellement le plus fort? Eh ben oui, évidemment, le PVP! Sur Wakfu, c'est clairement un point que beaucoup voudraient voir améliorer, car en effet, le fait d'aller voler des fleurs dans le camp adverse, taper du wapin avant les ennemis de votre nation ou récupérer des cargaisons pendant 45 minutes et peut-être de temps en temps se rentrer dedans avec risque de se faire gank 1v3, c'est vrai que c'est clairement un point amélioré. Dans Dofus, en vrai, avec l'alliance contre alliance, c'est un peu pareil, c'est un mixte PVP-PVM, quoi, rien de bien folichon, quoi, sur Dofus, ce PVP en somme. Non, je déconne parce que sur Dofus, eux, ils ont le Coliseum! Le Coliseum, bordel de merde! Ah, le Coliseum, je pourrais faire un poème sur le Coliseum. Il y en a tellement sur le forum Wakfu qui nous ont rabâché les oreilles avec ça sur les dev blogs. Je vous trouvais relou avant, mais bon Dieu, maintenant je vous comprends! En gros, le Coliseum, c'est une option de jeu qui vous permet de friter n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel level, contre les autres joueurs choisis via du matchmaking! Mais du matchmaking, bordel de merde! C'est clairement une idée de génie qu'aurait dû pomper Wakfu, ça! Surtout combiné au système de build modulé sur Wakfu, ça aurait pu donner des ladders PVP de fou furieux en fonction de la tranche de niveau! Et en plus de ça ne se résume pas qu'à du 1v1, mais aussi du 3v3. Franchement, ne pas devoir attendre que quelqu'un aux zap d'Astrub pour un combat amical, mais que ça se fasse automatiquement via une recherche automatique, n'importe où dans le monde des douze, je comprends pas pourquoi c'est pas encore présent sur Wakfu, quoi. Oui, donc, pour faire simple, le BVP sur Dofus, il est excellent. Alors oui, j'aurais pu vous parler du fait que la bourse aux ogres n'est plus permissive sur Dofus, mais que le multi-complet simplifié sur Wakfu. Mais il va bien falloir que je conclue cette vidéo avec un petit bilan quand même, sinon la vidéo pourrait durer 1 heure. Pour conclure, je trouve que Dofus a un très bon MMORPG old school qui est assez bien vieilli dans l'ensemble. Il a su garder cette patte très identifiable et conserver quelques mécaniques qui sont clairement de son époque, tout en améliorant les choses par-ci par-là. Que ce soit la beauté des corps et du style des persos, bien que Masramet a quand même une sacrée tête de yobbené avec cette expression du visage qui ne change quasi jamais. Et je comprends que beaucoup de gens qui ont joué à l'époque y jouent encore. Ils s'en dégagent comme une saveur de nostalgie tout en ayant évolué avec les joueurs. Même moi qui ai joué pour la première fois, je l'ai ressenti ce relent nostalgique. C'est pour vous dire que ça marche, quoi. Du coup, si vous êtes un joueur Wakfu comme moi, est-ce que je vous conseille de jouer à Dofus? Eh bien, pff, quand même bof. Si vous vous intéressez au lore en profondeur en mode chill et au PVP du jeu, oui, vous trouverez votre bonheur, mais au-delà de ça ne va pas vous transcender plus que ça si vous avez autant joué à Wakfu que moi. Cela dit, ça sera avec plaisir que je repasserai continuer mes quêtes en cours sur Dofus et en apprendre plus sur le monde des 12 pré-Chaos de Grest la prochaine fois que l'envie de faire une pause de Wakfu m'en viendrait l'envie. En tout cas, vous, de votre côté, si vous avez aimé la vidéo, vous connaissez la chanson Le Pouce Bleu, le partage pour la gloire du synchro-saint algorithme de référencement, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez être au courant des futures vidéos qui sortiront et ne rien manquer,
abonnez-vous avec la cloche, à me suivre sur Twitter dans le lien dans la description, où j'ai l'habitude de tenir au courant des vidéos en cours, et si vous n'avez pas Twitter car ça arrive, tu peux toujours te tenir au courant sur mon Discord, toujours lien dans la description. Et on se retrouve une prochaine fois pour de nouvelles vidéos Wakfu MMO.